Florie Galli, famille nombreuse, en deuil, elle annonce le décès d'une amie atteinte d'un cancer. Ce mardi 23 janvier 2024, Florie Galli a partagé une triste nouvelle sur Instagram. En story, elle a annoncé le décès d'une amie proche. Touchée par le drame, la maman confie que cette amie proche était atteinte d'un cancer. Sur le petit écran, c'est en 2020 que les internautes ont pu découvrir la famille Galli. Elle faisait son apparition dans Famille Nombreuse, La Vie en XXL. Florie et Bastien, les parents se sont présentés avec leurs 5 enfants, Arthur, les triplés Lucie, Rose et Maxime et le petit dernier Paul. Mais bonne nouvelle, un petit dernier va venir s'ajouter. En effet, Florie Galli a révélé être enceinte de son 6e enfant. Ce n'est qu'au mois de mai 2024 qu'il pointera le bout de son nez. Fille ou garçon, le couple a dévoilé le sexe du bébé. C'est un garçon. Les filles sont très impliquées, alors ce sont elles qui vous l'annoncent. L'arrivée d'un bébé dans une maison, c'est toujours incroyable, c'est le bonheur, tout simplement, fille ou garçon, révélait-elle. Dans ce flot de bonnes nouvelles, Florie Galli s'est confiée dernièrement sur la santé de son fils, Paul, qui semble très malade. Il a mangé un peu, mais je ne l'ai jamais vu aussi malade. La fièvre est montée très haut, écrit-elle en légende d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle s'est surtout inquiétée de voir son fils grelotter, lui qui a toujours chaud. Une période de deuil. Après avoir vécu ce stress sur la santé de son fils, Florie Galli accuse le coup d'une très mauvaise nouvelle. Sur Instagram mardi 23 janvier 2024, elle a posté un émouvant message en story. La jeune maman révèle être en deuil, suite au décès d'une amie. Adieu mon amie Christine. Tu t'es battue jusqu'au bout contre le cancer, mais il a été plus fort, écrit-elle en partageant une vidéo de création de son amie. Tes petits cœurs que tu aimais tant seront toujours aussi magnifiques et grâce à eux je penserai à toi chaque jour. Une bien triste journée qui a dû chambouler Florie Galli. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de sa famille.